Good morning. Allez, Hidan, ce sera aujourd'hui le Nishmat Avamodraï, Ben Yitzhak, Befani, David, Ben Fortuna, Mazal Fritna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sratou, votre Perek, Yudbet, Mishnah, Aleph, annoncé et Aisha, ou Paska, Imo, Kedei, Sheyazun, et Bita, Chamesh, Shanim, Chayav, Lazuna, Chamesh, Shanim. Niset, Leacher, ou Paska, Imo, Kedei, Sheyazun, et Bita, Chamesh, Shanim, Chayav, Lazuna, Chamesh, Shanim. Lo yomar rishon lechetavo etzli azuna, ela monichla mezonotea limkom ima. Vechanu yomru shneem arianu zaninota beyachad, el achad zana ve'echad noten la demei mezonot. On parle dans notre Mishnah, on démarre un nouveau sujet, qui va durer 4 Mishnah dans ce Perek, ça parle autour du même principe, que annoncer Taïcha, celui qui marie une femme, ou paska imo, et elle a fixé avec lui, elle a établi, ils se sont engagés, qu'il nourrisse sa fille à elle durant 5 ans. Alors la Mishnah me dit, bien, Chayav Lazuna Chameshanim, ça a marché, son engagement de nourrir sa fille. De quoi on parle exactement? On parle qu'en fait, on parle d'un homme, Reuven, qui se marie avec une... Yaakov, il se marie avec une femme, Léa, et qui a, cette Léa, elle a une fille d'un autre mari. Ouais, un mari divorcé, décédé, ça ne change pas le problème. Elle a une fille, et elle s'engage que maintenant, dans la Ktouva, en plus de l'engagement de nourrir sa femme, que Yaakov va nourrir sa femme Léa, et même les enfants qui vont naître de leur union, et bien en plus de ça, il s'engage même en plus à nourrir la fille de sa femme durant 5 ans. Et ça va être le sujet qu'on va voir, surtout dans notre Mishnah, la prochaine Mishnah, que comment définir exactement cet engagement-là. Faire la différence entre cet engagement de nourrir cette fille étrangère par rapport à l'engagement de nourrir sa propre fille. Un, je vous jette l'idée générale, pour le moment qui ne va pas tellement nous concerner dans notre Mishnah, mais quand même pour bien assimiler l'idée, c'est que mon engagement de nourrir les enfants que j'ai de ma femme, c'est un engagement qui a une allure de Ktouva. D'accord? Donc il est astreint, des fois à son avantage, des fois à son désavantage, aux lois de Ktouva. Il a un statut de Ilchot Ktouva. Alors que si je m'engage en plus que je dois nourrir ma femme et les enfants que je vais avoir avec elle, je dois en plus à nourrir quelqu'un d'autre. On a dit sa fille, on aurait pu dire son frère, on aurait pu dire sa petite sœur, ça change rien. Je m'engage, mon engagement que j'ai maintenant dans le même shtar, c'est plus un rapport de Ktouba que j'ai, mais c'est un engagement de, comme je peux m'engager à vous donner 10 000 shekels, et je vous les dois. Si je vous écris un shtar, que je vous dois 10 000 shekels, ou même je prends 2 edim, c'est ça, on parle de ça dans l'Agmara, partant de la porte, bon, 2 edim que je vous dois 10 000 shekels, ou bien j'écris sur un shtar que je vous dois par ce shtar, que je vous écris, je vous dois 10 000 shekels, je vous dois 10 000 shekels, je me suis engagé à vous donner 10 000 shekels. Et donc, quand je m'engage à nourrir la fille de ma femme, qu'elle a eue d'un autre mariage, eh bien, je dois nourrir maintenant cette fille-là comme une dette d'argent. D'accord? Ça aura des influences. Dans la prochaine Mishnah, on fera la différence entre quand c'est un statut de Ktouba ou quand c'est un statut de dette. Pour notre Mishnah, pour le moment, la Mishnah me dit tout d'abord, sache que quand tu t'es engagé à la nourrir la fille pendant 5 ans, tu t'es engagé à nourrir la fille pendant 5 ans. D'accord? Ça marche comme engagement. On peut rallonger, je préfère pas. On va s'arrêter là, déjà, c'est déjà bien expliqué, et on continue. Niset Leacher, maintenant, le Chidouj et la Mishnah, pour le moment, c'était une évidence admise que personne ne peut discuter sur ça, que d'abord, je me suis bel et bien engagé, mais même mieux que ça, Niset Leacher, ça signifie que la mère, après, je me suis marié avec cette femme-là, je ne me suis pas entendu avec elle. Après 2 ans, je la divorce. Troisième année, elle se marie avec... quelqu'un d'autre. Léa, elle se marie avec quelqu'un d'autre. La mère. Et quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle lui refait le coup à lui là-bas. Que tu vas nourrir aussi ma fille pendant 5 ans. Donc en fait, sa fille, là maintenant, on est 2 personnes à s'être engagées à nourrir pendant 5 ans. Moi, je suis resté marié 2 ans. J'ai nourri encore la troisième année. Maintenant, pour les 2 prochaines années qui vont rester, par rapport à mon engagement, la mère, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui est aussi engagé à la marier, à la nourrir pendant 5 ans. Donc en fait, on va avoir pendant 2 années, on va avoir... moi je dois la nourrir et lui doit la nourrir. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Ouais, est-ce que d'abord je suis engagé de la nourrir, le premier mari?
Et si je dois la nourrir, est-ce que je nourris avec le premier ou bien chacun il doit nourrir la fille complètement? Et alors la Mishnah vient m'apprendre, ben, sachez que chacun a l'obligation de nourrir complètement la fille, et au pire on lui donnera l'argent. Regardez comment c'est dit. Nisette la acher, elle s'est mariée à une autre, comme le Bar Tanoura nous le dit. Le Bar Tanoura ne l'a pas dit ici, c'est Rashi qui le précise. Et c'est ouais, le Tosafot Yom Tov rapporte. Nisette la acher, la mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je l'ai divorcée au bout de 2 ans, 3 ans. Et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Ou Pascal Imo que deshayazon et bitach hamashanim. Et la mère elle a fixé avec lui, avec le nouveau mari aussi, qui va de nouveau nourrir sa fille pendant 5 ans. Eh bien, sachez que le deuxième d'abord, Chayav Lazuna Hamashanim, il doit aussi la nourrir pendant 5 ans. Ils sont engagés. Maintenant, Lo Yomar Arishon, le premier ne lui dira pas à la mère, il lui dira Lirchetavo Itzli Azuna, qu'elle soit mariée avec moi, je la nourrirai. Bien évidemment, il peut le se marier avec elle, parce que dès qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, un interdit de marzer au château. Mais quand même, il y a la Mishnah de nous dire, il ne peut pas dire, non, je me suis engagé à nourrir la fille tant qu'elle est à moi, ou au pire quand j'ai divorcé, mais qu'elle peut encore me revenir, mais maintenant qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, qu'elle revienne, qu'elle se marie avec moi, je lui donnerai à manger. Ça veut dire, en fait, ça y est, je ne lui donne plus rien, je me suis engagé tant qu'elle n'est pas mariée. Et ben non, je ne peux pas dire cette phrase-là. Parce que pour le moment, je me suis engagé à nourrir 5 ans Réhouven, et je dois nourrir 5 ans Réhouven. D'accord? 5 ans, je me suis engagé à nourrir la fille, la petite Dina, je dois nourrir Dina. Elle a molir la maisonnote à l'imkomima. Il devra partir lui amener les maisonnotes tous les jours, lui apporter à manger à la fille, tous les jours, même dans la nouvelle maison de sa mère. Ça veut dire en fait, Yaakov, il s'est marié avec Léa, qui avait la fille. Et puis, il y avait sa petite Dina d'un autre mari. Au bout de 2 ans, il a divorce. Léa, 3e année, Léa va se remarier avec quelqu'un d'autre, Narshon. Et pendant qu'elle se marie, maintenant il reste 2 ans à couvrir, Narshon il doit nourrir la fille pendant 5 ans. Et moi tous les jours en plus, je dois lui apporter en plus à manger. Elle reçoit 2 repas en fait par jour, mais c'est pas exact. Et la Mishnah, elle continue, elle précise encore, de même, ils ne diront pas tous les deux en même temps, on va le nourrir tous les deux en même temps. Combien ça coûte un repas? 20 shekels. Ouais, un peu de pain, un peu de fromage, un peu de... un œuf et un verre de lait. 20 shekels, on paye 10-10. Non, pas du tout. Demain, ils ne pourront pas dire Shneem, les deux. On va le nourrir tous les deux en même temps. Non, elle a Echad Zana. Echad n'entendra de même les autres. Mais un, il devra la nourrir, lui donner à manger concrètement. Et l'autre devra lui donner les Dmei Maisonotes, la valeur du repas. Donc, un, il donnera à manger concrètement. Et l'autre, il devra donner 20 shekels pour qu'elle puisse manger. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov U'Salam.